sur le tableau décroché, écrase ses faces. À pile ou face, indifférent, à pile ou face, et de temps en temps, un coup je passe, un coup je casse. Je veux vivre ma vie, à pile ou face, mes amours se jouent. Pas du tout à mon type de visage. Elle me rend laide. Mais si Monsieur Florindo vient et me voit avec cette coiffe, il ne voudra plus de moi. Oh, je n'ai vraiment pas de chance. J'ai déjà changé de modiste plus de 30 fois. Toutes commencent par bien me servir, et après elles perdent la main et me servent mal. Cette coiffe, je n'en veux absolument pas. Oh, et mes filles, où êtes-vous? Où êtes-vous, mes filles? Madame, me voici. Regarde, Colombina. N'est-ce pas que cette coiffe me va mal? Je trouve qu'elle vous va bien. Allons donc, je ne peux pas me voir avec ça. Et pourtant, c'est celle qui vous plaisait tant. Hier, vous avez dit que vous n'avez jamais eu de coiffe aussi bien faite. Hier, je trouvais qu'elle m'allait bien, et aujourd'hui, pas. Excuse-moi, madame, vous êtes un peu fantasque. Oh, insolente! C'est ainsi que tu parles de moi? Allons, excusez-moi, madame, je ne pouvais pas vous blesser. Va-t'en d'ici! Pardonnez-moi, madame, je ne pensais pas que vous le prendriez mal. Je sais que vous m'aimez bien et que vous acceptez parfois mes taquineries. Guili, guili, hein? Je n'admets pas les taquineries! Coralina, où es-tu? Quoi? Madame, vous allez appeler la deuxième femme de chambre? Vous allez me faire à moi cet affront? Je veux être servie par qui je veux. Et toi, va-t'en d'ici! J'avais quelque chose à vous dire de la part de Monsieur Lelio. Je ne veux pas entendre parler de Lelio! Mais j'ai pourtant hier de le saluer de votre part. Je sais qu'il est allé chez Madame Eleonora. Je ne veux plus de lui pour rien au monde. Madame Eleonora est pourtant votre amie. Oui, oui, c'est mon amie. Si elle vient ici, elle ne va guère s'amuser. Mais, ma chère maîtresse, moi je vous aime et vous parle pour votre bien. Hier, vous avez fait tant d'amabilité ratée à Madame Eleonora. Et vous avez dit tant de gentillesse à Monsieur Lelio. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas entendre parler? Que voulez-vous que l'on pense de vous? Va-t'en d'ici! Oui, je m'en vais. Il faut avoir de la patience et excuser le caractère des gens. Coralina! Madame? Mais tu n'entends pas, je t'ai appelée 3 fois. Excusez-moi, madame, j'ai entendu. Mais lorsque Colombina est là, je n'ose pas venir. Pourquoi? Parce que, madame, cette fille me persécute. Elle dit que je suis la femme de chambre en second et que ce n'est pas à moi de venir dans votre chambre. Et quelquefois, elle prend plaisir à porter la main sur moi. Ma pauvre Coralina! Oh, viens ici, je t'aime de tout mon cœur. Désormais, je ne veux plus que toi pour me servir. Mais que veut dire cette lubie? Regarde, n'est-ce pas que cette coiffe me va mal? La coiffe! Oh oui, elle vous va très mal, hein. Toi au moins, tu es une jeune fille qui s'y connaît. Colombina est complètement ignorante. Bon, ce n'est pas pour me flatter, mais je sais moi aussi faire quelques petites choses. Oh, tu sais faire les coiffes? Oui, je sais les faire, oui. J'en ai fait une pour Madame Diana, votre sœur. Montre-la-moi. Tout de suite. Colombina, je ne veux plus d'elle, elle est trop mauvaise langue. Coralina est devenue raisonnable ces derniers temps. C'est désormais une bonne femme de chambre. Je veux avoir recours à elle. Madame, voici la coiffe. Ravissante! Elle me plaît infiniment. Tu en sais beaucoup plus que Colombina. Quel miracle! Elle a toujours méprisé mes ouvrages, aujourd'hui elle en fait l'éloge. Tu es une jeune fille qui a de l'esprit. Madame, je ne sais si j'ai bien ou mal fait, mais je crois avoir bien fait. Qu'as-tu fait? Eh bien, Madame Béatrice est venue pour vous voir et je lui dis que vous avez un empêchement. Pourquoi lui as-tu dit cela? Parce que hier, j'ai entendu tout le mal que vous disiez sur elle. J'ai donc compris que vous étiez terriblement en colère et que vous ne vouliez pas la recevoir. Mais tu as mal fait! Je regrette qu'elle soit partie! Ah, mais elle ne doit pas être partie! Elle s'est arrêtée pour pas... Mais vite, fais-la venir chez moi! Oui, mais hier, vous avez... Viens voir! On m'a dit des choses à son sujet et j'ai découvert qu'elles ne sont pas vraies! Je ne suis pas en colère! Et je veux lui parler!
Oui, bon, je vais la chercher. Oh, quelle girouette! Cette chère Eleonora va me le payer. Elle sait que Lélio a de l'estime pour moi et elle essaie de l'attirer à elle. Quelle fausse amie! Comme elle est double! Mais Lélio n'aura plus de ma part une seule amabilité. Quand j'aime, je vais être seule à être aimée. Excusez-moi si je vous dérange! Oh, mais pas du tout, ma chère amie, au contraire! Vous m'avez fait un plaisir singulier en venant me voir. On m'a appris quelque chose. Non, mais je n'y crois pas. On a prétendu qu'hier, vous étiez en colère contre moi. Moi, en colère contre vous? Cela m'étonne. Que m'avez-vous donc fait? C'est exactement ce que je me suis demandé. J'ai l'impression que je ne vous ai rien fait. De mauvaises langues, ma chère amie, de mauvaises langues. Voyons si je devine qui vous l'a dit. Allez-y, devinez. Oh, c'est Madame Eleonora! Ah, non, ce n'est pas elle! Et cela ne peut être qu'elle, personne d'autre. Je vous jure sur mon honneur que ce n'est pas vrai. Alors, qui vous l'a dit? Je ne peux pas le dire. Si vous ne me le dites pas, je dirai que je ne compte guère pour vous. Bon, d'accord, je vais le dire. C'est Coralina. Coralina? Oh, la malheureuse! Madame? Va-t'en d'ici! Madame? Va-t'en d'ici, te dis, je ne reviens plus jamais dans cette chambre! Madame Diana, désire sa coiffe! Ah, tiens, mais voilà ce beau chiffon! Ah, mais j'avais bien dit qu'elle est folle! Oh, je regrette qu'à cause de moi, vous vous mettiez à détester cette pauvre fille. Dites-moi, mon ami, depuis quand n'avez-vous pas vu Monsieur Florindo? Cela fait quelques jours que je ne le vois pas. Qu'en dites-vous, hein? Quel jeune homme distingué, n'est-ce pas? Quel beau jeune homme! Asseyons-nous, asseyons-nous. Oh là, y a-t-il quelqu'un dans la pièce à côté? Quoi? Rosa Aura, amoureuse Florindo? Oh, cette femme est ma rivale! Madame, apporte deux chaises. Oui, madame. Qu'est-ce que tu as? Tu fais la tête? Pourquoi ne pas vous faire servir par Coralina? Allons, allons, petite folle. Tu sais bien que ma colère passe vite. Je n'aurai jamais toute une journée de la même humeur. Allons, asseyons-nous et parlons un peu de ce cher Florindo. N'est-ce pas qu'il est beau garçon? Tout à fait. Oh. Mais il ne sera pas pour toi. Il a de beaux yeux. Oh. Il a des côtés attirants. Mais dites-moi, où en êtes-vous avec Monsieur Lélio? N'allez pas même prononcer son nom. Il n'est pas aimable, il n'a aucun charme. Je ne peux pas le voir. Oh, mais pourquoi? Dites-vous tant de mal de Monsieur Lélio. L'autre jour, c'était lui, votre préféré. Je ne le connaissais pas bien. Maintenant, je le connais mieux. Et puis il fait la cour à Madame Eleonora. Ah bah voilà pourquoi elle en dit du mal. Mais ce Florindo, que dites-vous de ce cher Florindo? N'est-ce pas un jeune homme qui fait plaisir à voir? Est-ce que Monsieur Pantalone, votre père, sait que Florindo vous plaît? Oh, il ne le sait pas. Et même, il m'a proposé hier pour mari un certain Anselmo, un commerçant de la montagne. Et moi de rage, j'ai dit oui. Que va-t-il se passer maintenant avec votre père? Ben, je dirais non. Oh, encore faut-il que ce soit possible et qu'il ne vous oblige pas à l'épouser. Il n'y a pas de danger. Mon père m'aime tendrement. Il fait tout ce que je veux. Pour rien au monde, il ne me ferait de la peine. Ma chère Béatrice, vous êtes la plus chère amie que j'ai. C'est à vous seule que je confie mon cœur. Comment pourrais-je faire pour parler avec Monsieur Florindo? Cadeau. Trouvez un moyen. Mais vous pourriez m'aider, vous, Cadeau. Vous pourriez l'amener ici avec vous. Quoi? Vous voudriez que je fasse l'entremetteuse? Bah, à une amie, ne peut-on rendre service? Je ferai la même chose pour vous. Après tout, Florindo et moi, nous sommes à marier. Bon, 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 bon. Nous en reparlerons. Oh, je vais faire tout mon possible, au contraire, pour qu'elle ne les voit même pas. Oh, voici mon père. Votre très humble serviteur. Votre servante, monsieur Montalon. Eh bien, ma fille, que fais-tu? Es-tu de bonne humeur? À présent, je me sens bien. J'ai auprès de moi ma chère amie qui vient pour me faire plaisir. Ah oui? Je suis ravie que madame Béatrice te soit chère et qu'elle veuille bien te tenir compagnie. Oh oui, madame Béatrice, venez souvent me rendre visite. Venez quand vous voulez. Oh, venez déjeuner ici avec nous. Je vous remercie de vos aimables invitations. Je reviendrai vous voir sous peu. Je viendrai pour tâter le terrain.
Si vous permettez, je m'en vais. Et non, ne partez pas. Mais laisse-la partir, chasse parlée. Bon, pour vous faire plaisir, je vais rester encore un peu. Bon, si vous voulez partir, libre à vous. Je suis curieuse d'entendre ce que mon père veut me dire. Je ne veux pas que vous disiez que je ne reste pas volontiers avec vous. Je vais rester encore un peu. Non, non, ne vous dérangez pas. Partez donc. Puisque je vous dis que je reste. Mais puisque je vous dis de partir. On dirait qu'à présent, vous me chassez. Oh non, ma chère, je ne vous chasse pas. Bon, je m'en vais. Oui, allez-vous-en. Et n'oubliez pas de ramener Florindo. Fort bien. Au revoir, monsieur Pantalon. Adieu, mon ami. Je vous salue bien bas. J'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je saurai comment me comporter. Eh bien, monsieur mon père, qu'avez-vous à me dire? J'ai à te donner une bonne nouvelle. Et en quoi consiste-t-elle? Notre intermédiaire a bien fait les choses. Il t'a mise dans les bonnes grâces de ce monsieur Anselmo que tu sais. Il a montré qu'il me trouvait à son gré. Nous sommes tombés d'accord. Mais moi, je ne le connais pas et je crains fort de ne pas vouloir de lui. Mais puisqu'hier soir, tu m'as dit que oui. Si je dois me marier, je ne veux pas avoir à quitter cette ville. Ma chère fille, c'est un homme riche à millions. Un homme qui vit sans façon, mais qui a beaucoup d'argent. Il sait y faire. Dans son pays, on le considère comme un grand monsieur. Moi, aller m'exiler sur une montagne? Oh! Ce ne sera pas possible. Mais pourquoi hier soir m'as-tu dit que oui? Je l'ai dit sans réfléchir. Oh, bravo! Ah! Aïe! Oh. Maintenant, à cause de toi, je suis dans un bel embarras. J'ai promis à cet honnête homme qu'il te verrait. Je ne sais que faire pour ne pas tenir parole. Oh, mais s'il veut me voir libre à lui, faites-le donc venir. Et si tu lui plaisais? Il ne suffit pas que je lui plaise. Il faut aussi qu'il me plaise. Et si à toi, il te plaisait? Oh! C'est impossible. Pourquoi impossible? Viens là, petite malheureuse, viens là. Confie-toi à moi. Tu sais que je t'aime. As-tu quelque amourette? Eh bien, monsieur mon père, je n'ai pas le courage. Allons, parle-moi librement. Tu es ma fille chérie. C'est toi que j'aime le plus. Je ferai tout mon possible pour te faire plaisir. Eh bien, je prendrai volontiers pour mari monsieur Florindo. Florindo est un garçon qui ne me déplaît pas. Bon, il faudra voir maintenant si lui voudra bien de toi. Eh, il voudra bien de moi. Il voudra bien. En es-tu certaine? Il voudra bien de moi. Il voudra bien. Il voudra bien de moi. Il voudra bien. Eh, Viette, Viette, ça suffit. Je ne veux plus devenir fou. Une fois que je t'aurai mariée, je marierai mon autre fille. Et après, plus de complications. Quoi? Ne mariez pas ma sœur avant moi. Mais non, n'aie pas peur. Je ne te ferai pas ce tort. Eh bien, donnez-moi, monsieur Florindo. Est-ce à moi d'aller chercher un mari pour ma fille? Non, non, c'est lui qui viendra chez vous. Bon, s'il vient me voir, je te promets de te satisfaire. Monsieur mon père, vous me rendez la vie. Oui, mais rappelle-toi bien que si ce monsieur Anselmo vient, il faut que tu le reçoives par politesse et que tu te montres par bienséance. Oui, oui, qu'il me voie donc. Mais quand il m'aura vu, il pourra toujours courir. Et pourtant, ce serait une chance pour toi. Mais je ne pense qu'à être heureuse. Peu m'importe l'argent, les belles robes et les grandeurs. Du moment que je peux trouver un mari qui m'aime, je ne cherche pas autre chose. Ah, mon cher Florindo, je fais plus de cas d'un peu de ton amour que de 1 000 000 000. Hélas, quand on a des filles, on n'a jamais la paix. Non, et voilà l'autre qui s'amène. Regardez comme elle se fait grande. Elle aussi l'a un de ses jours, bien que ce soit une sotte. Elle voudrait un mari. Votre servante, monsieur mon père. Bien le bonjour, madame ma fille. Je voudrais vous demander une faveur. Que voulez-vous? Je ne voudrais plus dormir avec Coraline. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle fait des rêves la nuit et qu'elle me donne des coups de poing. Oh. Rendez-vous bien compte. Vous dormez avec Coralina. Rosaura dort avec Colombina. Je vous donne à chacune une femme de chambre pour que vous ayez de la compagnie. Oui, mais moi, avec Coralina, je ne veux plus dormir. Mais ce n'est pas bien que vous dormiez seule. Mais Coralina aussi dit qu'elle ne veut plus dormir avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'un jour, elle sera avec Brighella. Bah, très bien. Ils s'aiment. S'ils se marient, ils seront ensemble. Mais alors, si Coralina peut rester avec Brighella, je peux moi aussi rester avec lui. Oh, laissons là ces propos. Allez travailler, faites vos chemises et vos draps. Préparez-vous aussi votre trousseau. Oh, mon trousseau, ça fait déjà un moment qu'il est fait. Mais qui vous l'a fait? Ma mère. Votre mère vous a laissé des biens et des revenus. Et moi, je vous donnerai 6 000 ducats. 6 000 ducats? Combien de sous cela fait-il? Oh, je te promets bien du plaisir si tu veux compter 6 000 ducats en sous. Sais-tu que cela fait plus de 700 000 sous? C'est vrai?
Mais je ne sais compter que jusqu'à 20. Eh bien, tu es une brave petite fille. Quand tu devras t'occuper d'une maison, tu auras bonne mine. Quoi, m'occuper d'une maison? Mais il y a les femmes de chambre pour ça. Ah, mais je ne parle pas de cette maison. Vous voulez me mettre au service de quelqu'un? Je veux vous mettre au service d'un mari. Oh, si j'avais un mari, je voudrais que ce soit lui qui me serve. Et comment donc voudriez-vous qu'il vous serve? Je voudrais qu'il me réchauffe les pieds. Oui, qu'il vous réchauffe les pieds et rien d'autre. Oh, les pieds et les mains, que fait-on des maris? Ils servent à nous réchauffer. Moi, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Tu sais ce que c'est qu'un mari? Oh, bien sûr. C'est la petite boîte qui sert à réchauffer les femmes quand elles ont froid. C'est la chaufferette que tu appelles un mari. Et ici, tout le monde l'appelle comme ça. Cette fille est vraiment trop simplette. Bon, moi, vois-tu, je veux te donner un autre genre de mari. Oh, je le prendrai tout comme vous me le donnerez. Je te donnerai comme mari un homme qui te tiendra compagnie, qui sera avec toi là jour et nuit, comme ça tu n'auras plus peur et tu ne dormiras plus avec Coralina. Mais il y a deux jeunes hommes qui se sont proposés pour me tenir compagnie. Oh, il faut que je l'attire vite d'affaires. Qui sont-ils? Ben, l'un est le fils de monsieur Fabrizio et l'autre le fils de monsieur Pancrazio. Il ne me déplaise ni l'un ni l'autre. Lequel prendrais-tu plus volontiers de ces deux-là? Moi? Je les prendrai tous les deux. Oh, pauvre de moi! Allons, nous en reparlerons. Bien, mais si vous ne voulez m'en donner qu'un seul, donnez-moi le fils de monsieur Fabrizio. Pourquoi lui et pas l'autre? Parce qu'il est plus grand. Non, je ne veux plus rien entendre. Bon, bah très bien, faites comme vous voulez, mais je ne veux plus dormir avec Coralina. Si vous ne trouvez personne pour me tenir compagnie, je prierai quelqu'un de me rendre ce service. Ouh, l'on trouverait bien des vauriens qui lui rendraient ce service. Mais moi, je vais arranger ça. Cette fille est un peu trop simplette. Ce n'est pas bien qu'elle reste à la maison. Bon, ou je la marie, ou je l'envoie chez sa tante, qui est une femme pleine de bon sens. Eh bien, voilà un dilemme. Quand les filles sont rusées, elles peuvent fauter par malice, mais quand elles sont sottes, elles peuvent se perdre par trop de naïveté. Il vaut mieux ne pas avoir de filles, mais quand on en a, il faut veiller sur elles. Corriger celles qui ont de l'esprit et éclairer les sottes. Montrer de la sévérité aux unes et de la douceur aux autres. Avec toutes, avoir les yeux bien ouverts et du plomb dans la cervelle. Après, quand elles sont en âge de se marier, ne pas les garder à la maison, les établir et se débarrasser du souci de les surveiller et du risque de faire leur malheur. J'en ai touché un mot à mon maître, et lui aussi va m'aider. Nous nous marierons, nous ouvrirons une petite boutique, et nous quitterons le service. Oh oui! Oh, que le ciel t'entende. Le service, c'est quelque chose de bien ingrat. Et dans cette maison, je n'y resterai pas. Côté cette chère Rosaura, elle change la vie à tout bout de champ, et ne me laisse pas un instant de répit. Prenez encore un peu votre mal en patience, et ne doutez pas que je vous épouserai. Que tu peux être courte si tu le crois. Il y a cette chère Colombina, elle me persécute et change d'avis à tout bout de champ. Nous nous marierons et vous ne la verrez plus jamais. Mais... Quand décidons-nous de nous marier? J'attends d'avoir amassé un petit capital pour ouvrir une boutique et aussitôt nous nous tirerons d'affaires. Si j'avais 3 sequins, j'achèterais du ruban qui me manque. J'ai 2 sequins, il m'en manque un. Il ne vous manque qu'un sequin. Si fait, avec 3 sequins, je suis paré. Si c'était vrai, je vous le donnerais bien, moi. Comment? Vous ne me croyez pas, moi? Donnez-le-moi et vous verrez. Oh, mon cher Brigella. Je vous donne. Je l'ai mis de côté sur mon salaire, je vous fais confiance. Mais rappelez-vous, il faut faire vite. Allez le chercher, et en 2 heures de temps, j'aurai tout réglé. Oh, je suis impatiente de quitter cette maison. Si je pouvais me marier avant cette chère Colombina, je la ferais crever d'envie. En attendant, nous empocherons les sequins.
Moi, me marier. Je ne suis pas si fou. Je m'amuse avec ces femmes et dès que je peux les gruger, je le fais avec le plus grand plaisir du monde. Votre maîtresse vous cherchait ? Qui ? Madame Rosaura ? Je ne veux pas devenir fou à cause d'elle. C'est un valet bien aimable. Vous n'en faites qu'à votre tête. Ma chère Colombine, je ne sais pas ce que vous avez contre moi. Depuis un certain temps, vous ne pouvez plus me voir. Ah, pourquoi vous souciez de moi ? N'avez-vous pas Coralina qui est votre préférée ? Coralina, ma préférée. Mais qui vous avez raconté cette bourde ? Hé ! Je ne suis ni aveugle ni sourde. Je vois, j'entends et je sais ce que je dis. En vérité, vous vous trompez. Que faisiez-vous hier soir dans sa chambre ? Je vais vous dire. Je vous parlerai franchement. Quelqu'un de ma famille est arrivé dans le besoin et s'est adressé à moi. Comme je n'avais pas d'argent pour pouvoir l'aider, j'en ai demandé à mon maître et il n'a pas voulu m'en donner. Coraline a entendu que je me plaignais et elle m'a dit que si je voulais un sequin, elle me le prêterait. J'ai accepté sa proposition. Et elle m'a promis de me le donner. Vous l'a-t-elle donné ? Non, elle ne me l'a pas encore donné. Suffit. Si vous avez daigné m'en parler, je vous aurais bien donné, moi aussi, un sequin. Ma chère Colombine, il est important, puisque Coraline ne me l'a pas donné. Je l'accepterai plus volontiers de vous que d'elle. Oui, mais après cela, vous ne vous occuperez plus de moi. Comment ? Je m'étonne de ce que vous dites. Je suis un honnête homme. Je suis capable d'être reconnaissant. Et lorsque quelqu'un me rend un service, je m'arrange toujours pour lui en rendre deux, si je le peux. Quant à moi, une seule chose me suffirait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous m'aimiez ! Mais moi, ça ne me suffit pas de vous aimer. Non ? Pourquoi ? Parce que je voudrais aussi vous épouser. Oh, ce serait tellement mieux. En peu de mots, on règle tout. Dès que je me suis débarrassée de mon parent, nous en causerons. Mais allez, dépêchez-vous ! Dès que j'ai le sequin, j'y vais tout de suite. Je vais le chercher à l'instant même. Je vais faire crever de dépit cette bavarde de Coralina. Que c'est beau. Soutirer un sequin à chacune d'elles. Et les tromper toutes les deux. Oh, voici Coraline. Me voici avec le sequin. Oh, bravo. Nous considérerons qu'il fait partie de votre dot. Oh, tenez, quand vous m'épouserez, vous en aurez trois autres. Très bien, c'est clair. Il se peut même que je les dévore sans épouser la fille. Mais rappelez-vous qu'il faut faire vite. Ne craignez rien, moi aussi, je suis pressée. Voici Colombina. Allez-vous-en, et ne vous montrez pas. Je vais rester ici, je n'ai pas peur d'elle. Brigella, est-ce qu'on pourrait vous dire deux mots ? Oui, maîtresse, attendez. Toujours avec elle ? Que peut-elle bien vouloir de Brigella ? Est-ce qu'elle vous l'a donné, le sequin ? Allons donc, je n'en ai pas voulu. La voici. Très bien, merci. Ce cœur est à vous. Mais que de gros secrets, monsieur Brigella ! Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, madame ? Mais ça ne me faisait rien, je ne parlerai pas. Mais parlez donc, libre à vous ! Ça y est, vont se chamailler. Est-ce que par hasard, Brigella est votre promis ? À vous, je ne suis pas obligée de répondre. Brigella ! Est-ce à elle que vous avez donné votre cœur ? Ah non, madame, ça va être à vous qui a dû le donner. Mon cœur, je l'ai vendu. Il a été acheté avec un sequin. La personne qui m'a donné ce sequin a gagné mon cœur. Non ! Ne vous disputez pas. Ne criez pas. Vous m'avez très bien compris. Brigella est donc à moi. C'est à moi que Brigella a vendu son cœur. Florindo pour faire enrager ce mufle de l'Hélio. Madame Eleonora est là.
Je ne veux pas la recevoir. Que voulez-vous que je lui dise? Dis-lui que j'ai un empêchement. Je ne sais pas comment faire. Je ne veux pas d'elle. Ah bah là, voilà. Il est trop tard. Quelle impertinence! Excusez-moi si j'arrive en retard. Peu importe. Qu'avez-vous? Vous me paraissez de mauvaise humeur. Je n'ai pas très envie de parler. Vous êtes en colère? Vous m'en voulez? Elle sait très bien pourquoi. Et si je devinais un peu ce que vous avez? Il se peut que vous le sachiez mieux que moi. Oh, bien sûr que je le sais, vous êtes peinée à cause de votre amoureux. Mais oui, madame, à cause de mon amoureux. Et il vous déplaît qu'une personne qui fait mine d'être votre amie cherche à vous l'enlever? Il me semble que c'est là une action indigne. Vous avez raison, je vous excuse, vous êtes en colère. Mais c'est vous-même qui venez me le dire. Je vous le dis parce que nous sommes amis. Quand j'ai su que madame Béatrice cherchait à vous prendre monsieur Florindo, je me suis sentie brûlée d'indignation à votre place. Comment? Béatrice fait des grâces à Florindo? Quoi? Vous ne le savez pas? Mais non, je ne le sais pas, renseignez-moi. Sachez que Florindo va chez Béatrice presque tous les jours. Ils bavardent longuement ensemble et sont amoureux fous l'un de l'autre. Oh, traîtresse, c'est ainsi qu'elle agit avec moi. Elle vient ici, fait mine d'être votre amie, et ensuite elle manigance en danse. N'en dites pas plus. Je sais ce que j'ai à faire. Des amis comme moi, vous en trouverez peu. Dites-moi, chère Eleonora, monsieur Lelio vient-il chez vous? Oh non! Il voulait essayer de venir, mais je n'ai pas voulu. Si elle croit que je vais tout lui dire de but en blanc... Si je comprends bien, Lelio ne vaut pas grand-chose et vous, vous êtes une amie loyale. Lelio, avait-il promis de vous aimer? Il me l'avait promis. J'ai donc bien fait de ne pas le recevoir. Oh oui, vous avez très bien fait et je vous en suis reconnaissante. Moi, avec mes amis, j'agis en toute franchise. Je ne fais pas comme madame Béatrice. C'est une fausse amie. Dorénavant, je ne la fréquenterai plus. Oh, c'est vous qui serez mon amie intime. En moi, vous pouvez avoir confiance. Allons, viens ici ma fille, tu vas être contente. J'ai parlé avec le docteur, le père de Florindo. Nous sommes amis et nous nous sommes arrangés entre nous. Florindo sera ton mari. Monsieur mon père, je ne veux plus de lui. Tu ne veux plus de lui? Mais j'ai réfléchi, c'est un vaurien, il n'a pas du genre, je ne veux plus de lui. Oh, bah c'est du joli. Maintenant que j'ai parlé avec le docteur, non mais tu veux me faire passer pour un honoré? Il ne suffit pas que je doive manquer de parole à monsieur Anselmo, il faut aussi que je manque de parole au docteur. Je prendrai plutôt monsieur Anselmo. À vrai dire, j'ai dit à monsieur le docteur Balanzoni que j'étais à moitié engagé avec ce négociant. Ce qui veut dire que si tu te maries avec lui, il n'y aurait pas trop de dégâts. Mais... si tu voulais épouser un autre que lui, tu me mettrais dans un bel embarras. Je prendrai monsieur Anselmo. Non. Écoute, je viens de le voir dans les parages, je descends et si je le trouve, je te l'envoie. Il te verra, tu le verras, vous vous verrez, nous nous verrons. Et si vous parvenez à vous entendre, nous conclurons très vite ce mariage. Yes. Il me tarde de me débarrasser de ces deux filles et de celle-ci en particulier. C'est tantôt je veux, tantôt je veux pas. Elle me donne le tournis. Quel ingrat ce Florindo! C'est ainsi qu'il agit avec moi! Mais il n'est pas digne de mon amour. Non, je ne veux plus de lui. Si j'avais à commettre une bêtise, ce serait plutôt avec Lelio. Mais il voulait aller chez madame Eleonora. Oh, il se peut aussi que ce ne soit pas vrai. Madame, il y a ici un certain monsieur Anselmo qui désirerait vous présenter ses hommages. Qu'il vienne, libre à lui. Mon père est-il là? Il va faire une course et revient tout de suite. Il m'a demandé de l'introduire. Allons, allons, fais-le entrer. Et dis-moi, quel aspect a-t-il? Il a l'air d'une antiquité. Je crois que c'est une drôle de caricature. Pour faire la nique à ces froluqués mal élevés, je vais épouser monsieur Anselmo. Qui est là? Oh, illustrissime, excellence, pardonnez-moi. Monsieur, pourquoi me donnez-vous ce titre? Oh, je fais mon devoir avec une dame du qualité. Je suis Rosora, la fille de monsieur Pantalone. Ah, vous êtes Rosara, la fille de monsieur Pantalon. Avec cette énorme mangue.
votre très humble serviteur. Je vous en prie. Êtes-vous monsieur Anselmo? Oui, c'est moi-même, pour vous servir. Voulez-vous prendre place? Ah, je suis pas fatigué, c'est vous qui devez être fatigué avec ce satané poids sur vous. Ce sont les vêtements que l'on porte chez nous. J'ai jamais rien vu de pareil. Veuillez permettre, ces bijoux, combien peuvent-ils coûter de milliers de ducats? Oh, ils ne valent pas si cher. Ils peuvent coûter tout au plus 3 sequins. 3 sequins? En quoi sont-ils? Ce sont de fausses pierres. Diable, des fausses pierres. Et pourquoi porter des fausses pierres autour du cou? Parce que c'est la mode. Là où il y a du toc, il n'y a rien de bon à faire. Mais j'ai aussi de vrais bijoux. Parfois j'en mets des faux pour ne pas abîmer les autres. Mais au lieu de porter des faux bijoux, mieux vaut rien porter du tout. C'est la mode. Ah, les faux bijoux, c'est la mode. Ces cheveux bouclés, c'est la mode. Ces gants, c'est la mode. Ces voiles, c'est la mode. Ces mouches, c'est la mode. Cet énorme chaudron, là, encore la mode. Et pour vous, c'est la mode, pour moi, pas. Ici, c'est la mode. Chez moi, c'est pas la mode. Madame, je vous demande pardon. Mais attendez! Jusqu'ici, je me suis conformée aux habitudes des gens que j'ai dû fréquenter. Mais s'il fallait que je me marie, je tâcherais de m'adapter aux coutumes du pays et aux désirs de mon mari. Oui. Madame, pour tout vous dire, si j'avais l'honneur d'être votre mari, il faudrait auparavant conclure 12 accords. Vous me trouverez tout à fait disposée à accéder à votre demande. Premièrement, pas de cette cage à poules. Il n'en est pas question. J'ai un tel aversion pour cet engin-là, dès que je le vois, mon sang il se fige. Très bien, ça, on peut s'en passer. Des bijoux faux, certainement pas. Il faut bien quelque chose autour du cou. Ou de vrais bijoux, ou rien du tout. Oh oui, monsieur, j'accepte. Et de la poudre, assurément pas. Oh, je n'en porterai pas. Tout ce fatras de dentelles et du ruban, tout ça en lire. Oui, tout ça en lire. Oh, la jeune femme est bien en train de se plier à mes goûts. Oh, quand on a un bon mari, on peut tout faire. Et de l'or et de l'argent sur les vêtements. Je n'en veux pas. Je n'en porterai pas. Monsieur, avec votre permission. Monsieur Léon est là qui désire vous parler. Il sait que vous êtes fâché contre lui. Voudrez-vous vous apaiser? M'apaiser? Je viens tout de suite. Oh, pour en revenir à notre propos, je ne veux pas qu'on tienne salon chez moi. Allons, allons, monsieur, cela suffit. Vous avez trop d'exigences. Nous en reparlerons plus à loisir. Mais elle est folle. Je serais bien idiot d'épouser une jeune fille de la ville. Je vais prendre une fille des montagnes. Mais là-bas, il n'y en a pas une qui me plaise. Ah, si je pouvais trouver une fille de la ville simple et sans prétention, celui-là fera mon affaire. Mais ce sera défaissé. Bon, vous, ma fille, dites à votre maître que je m'en vais et que nous nous reverrons. Hein. Bah, mon maître? Bah, qui croyez-vous que je suis? Vous n'êtes pas une servante de monsieur Pantalon? Ah non, monsieur. Je suis sa fille. Ah, oui. Ah, vous êtes la fille de monsieur Pantalon? Oui. Et c'était qui cet autodrame là qui a parlé avec moi? Ma sœur aînée. Oh, madame, je vous demande pardon. Votre sœur était si magnifiquement vêtue que je vous ai pris pour la dame du chambre. Elle est mieux habillée que moi parce qu'elle va bientôt se marier. Ah oui, je comprends. Quand on veut vendre, on met la marchandise en devanture. Tout est du toc, rien que du toc. Comment je préfère le genre de cette jeune fille? Il me regarde et il rit. Il ne faudrait pas que j'aie le visage barbouillé. Et vous, n'allez-vous pas épouser quelqu'un? N'épouser quelqu'un? Ah non, monsieur. Et votre père, que veut-il faire de vous? Il veut me donner un mari. Ah, c'est ça, ah, c'est une blague. Ah, elle est bonne. Ah, tout de suite, elle est bonne. Mais mari et époux, n'est-ce pas la même chose? La même chose? La même chose? Ah, oh, oui, maintenant j'ai compris. Oui, monsieur, je vais épouser quelqu'un. Avez-vous déjà été amoureuse? Ah non, monsieur, je ne suis jamais montée sur le toit.
Comment ça, monter sur le toit? Les chattes, quand elles sont amoureuses, elles grimpent sur le toit. Moi, je n'y suis jamais montée. Oui. Voilà une jeune fille bien simple. Elle me conviendra tout à fait. Hey, quel est votre prénom? Diana. Oh, on a déjà fait ça. Ma chère petite Diana, voulez-vous que je vous trouve un époux? Ne vous dérangez pas, mon père va s'en charger. Hey, si vous voulez bien, je ferai de vous mon épouse. Il faudra que vous m'appreniez comment on fait. Ah ouais, je vous apprendrai, hein. Papa? Prenez cette petite bague. Oh, c'est pour moi? Vous me la donnez? Je vous la donne. Oh, comme elle est jolie. Elle est belle, hein? Oh, comme elle est belle. Ah, oh, je vais la montrer à Rosa. Oh, bien, c'est écoute-moi, du oh, oui, je vais la montrer à Colombina. Oh, bah, vas-y, c'est bien. Allez, Coralina, c'est bien aussi. Oh, et Pasquina. Allez, vas-y, tout le monde, allez, encore un coup. Allez, Blanchisseuse. Oh là là, elle est simple, elle est naïve. Hey, si je peux, je vais essayer de l'attraper avant qu'elle ne se gâte. Oh, Bill, une simplicité pareille. J'aurais jamais cru. Attends-moi, attends-moi. Chère Madame Rosa Aura, je vous aime tendrement, hein. Mais vous me mettez au désespoir. Rien vous inquiète, tout vous porte ombrage, vous vous méfiez de tout. Vous ne me croyez pas. Mais si je ne mérite pas votre confiance, je serai contraint de cesser de vous aimer. Si vous m'aimiez, vous n'iriez pas faire la causette chez l'une ou l'autre. Ouais, je vais parfois chez des amis donner libre cours à l'irritation que vous me faites éprouver. Oui, oui, je sais reconnaître ceux qui savent être fidèles. Oh. Hey. Je pouvais vous dire que je ne suis pas fidèle, hein. Qu'allez-vous faire chez Madame Eleonora? J'y suis allé quelques fois. J'y suis allé quelques fois parce que je sais qu'elle est votre amie. Je suis allé m'entendre avec elle pour qu'elle vous parle. Oui, oui, je sais tout. Vous avez essayé de faire la cour à Eleonora, et elle n'a pas voulu car c'est une femme prudente. D'ailleurs, si elle s'était intéressée à vous, vous m'auriez plaqué. C'est exactement le contraire, mais je ne veux pas le dire pour ne pas commettre une mauvaise action, hein. Vous ne répondez pas, hein. Vous vous troublez, hein. Madame, je ne me trouble pas. Je vous dis que je vous suis fidèle, et que c'est vous que j'aime. Alors si vous le croyez, je serai content, mais si vous ne voulez pas le croire, eh ben, je prendrai vous ma langue patience et je vous laisserai la liberté d'aimer qui vous voulez. Écoutez, je vous aime et je vous crois. Couchez. Mais quand on me dit certaines choses, je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes. Il ne faut pas tout croire, ceux qui rapportent mériteraient qu'on leur arrache la langue. D'ailleurs, ces charmantes personnes qui font des messes basses sont le malheur des familles. On m'a dit, moi aussi, que vous regardez d'un bon œil, monsieur Florindo. Mais je ne le crois pas. Vous ne devez même pas y songer. Florindo fait la cour à madame Béatrice. On m'a dit que votre père voulait vous marier avec un étranger. C'est vrai, mais je ne veux pas de lui. Alors en conclusion, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas? Oh oui, je vous aime. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Oh oui, je vous crois. La. Il me semble que j'entends mon père. Et nous avons fait la paix, hein? Oui, oui, nous avons fait la paix. Retirez-vous qu'il ne vous voit pas.
Quelle folle tu as été d'avoir laissé partir Monsieur Anselmo. Il ne me plaît pas du tout. Oui, mais tu aimerais bien son argent. C'est qu'il a les poches pleines de sequins. Tant pis, tu vas faire la chance de ta sœur. La chance de ma sœur? Comment ça? Oui, il a vu Diana, elle lui a plu, il me l'a demandé en mariage. Mais il ne la lui donnerait pas. Ah, oh, moi je la lui donnerai pas. Au contraire, je suis impatient qu'il la prenne. Oh, ma sœur sera donc plus riche que moi? Monsieur Anselmo est un russe, mais on voit bien qu'il est généreux. À peine a-t-il parlé à ta sœur qui lui a donné un diamant de sequin de moins 30. Moi, mes amoureux ne m'ont jamais rien donné. Oui, et tant pis pour toi. C'est à toi que j'avais offert cette chance, mais tant pis pour toi. Je vais tout arranger et ce soir, elle lui donnera sa main. Oh, que dois-je entendre? Ma sœur qui est plus jeune que moi va se marier avant moi? Mais cela n'est encore rien. Elle va être plus riche que moi. Mais pire encore, elle aura des cadeaux et moi pas. Mais quel est son mérite pour qu'on la préfère à moi? Oh, je sais bien pourquoi Monsieur Anselmo me laisse tomber et la choisir. Oh, c'est à cause de ce cerceau là, à cause de ces cochonneries de fausse pierre, à cause de ces futilités. Je vais y réfléchir. Je ne veux absolument pas qu'il soit dit que ma sœur cadette a eu plus de chance que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai donné ma parole à Monsieur Pantalon. Oh, excusez-moi, je ferai tout, mais épouser Madame Rosa Aura, certainement pas. Pourquoi dites-vous ça? Je sais pourtant qu'autrefois vous aviez quelques penchants pour elle. C'est fort vrai, autrefois j'avais quelques sentiments pour elle. Mais j'ai découvert son caractère et je ne veux plus avoir affaire à elle pour tout l'or du monde. Qu'est-ce qu'elle peut bien vous avoir fait? Elle est trop fantasque. Tantôt elle dit une chose et tantôt elle en dit une autre. Elle écoute tout le monde, elle tient compte de tout et quand il lui passe par la tête quelques caprices, elle vous fait des affronts. Et vous tourne le dos sans qu'on sache pourquoi. Ce sont des vétilles, ça. Quand les jeunes s'aiment, ça se passe presque toujours comme ça. Bon, j'ai donné ma parole à Monsieur Pantalon, et vous ne devez pas me faire passer pour un pantin, mon cher père, je vous en prie, épargnez-moi. Il n'en est pas question. Je suis votre père. Vous, vous êtes mon fils, et vous devez m'obéir. Je le ferai. Pour vous obéir. Fort bien! C'est ainsi que je vous aime. Monsieur Pantalon n'a que ses deux filles, et après sa mort, elles se partageront son riche héritage. Je n'ai pas l'intention de vous fâcher. Mon fils est vraiment un brave garçon. Au diable! Voilà le docteur! Comment ferais-je pour m'en tirer? Monsieur Pantalon, vous tombez bien à propos, hein, parce que j'étais juste en train d'aller chez vous pour vous annoncer que mon fils est tout à fait prêt à recevoir pour femme Madame Rosaura, votre fille. Oh, cher docteur, je ne sais que vous dire, je suis tout confus, je ne trouve pas mes mots. Mais non, mon cher ami! Vous n'avez pas de quoi être confus, car bien au contraire, hein, mon fils et moi-même, nous nous considérons comme très honorés par un tel mariage. Je vais vous dire. Vous êtes père de famille, vous aussi, et vous savez que parfois, l'amour paternel fait faire des sacrifices. Quoi? Vous pensez peut-être sacrifier votre fille en la donnant à mon fils? Oh, s'il ne veut pas qu'il le dise. Nous ne voulons pas d'elle s'il n'est pas satisfait. Mais s'il ne tenait qu'à moi, j'y consentirais de tout mon cœur, mais ma fille, cher docteur... Soyez indulgent, mais ma fille n'est pas disposée à le faire. Oh, très bien, très bien. Si elle n'est pas disposée, il n'est pas juste de lui faire violence. Comment? Sommes-nous des adultes ou des enfants?
C'est vous-même qui me l'avez proposée, et puis vous me dites qu'elle n'est pas disposée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je souffre. Je suis mortifiée à cause de ça, au point que je me sens mourir. Non mais arrête. Bah écoute, oui. Bah oui. Si vous me le permettez, j'irai moi-même lui parler. Et peut-être bien qu'avec mon savoir-faire, je réussirai à obtenir ce que vous n'avez pu réaliser. Monsieur Pantalone, êtes-vous un homme d'honneur? Je m'en vante! Êtes-vous satisfait de ce mariage? Oh, mais très satisfait! Il suffit que vous arrangiez les choses avec monsieur Lelio, que vous persuadiez ma fille, et alors je serai très satisfait! Et on fera tout ça, votre fille épousera Florindo. Mes respects. Cher monsieur... Florindo, oui, je serais ravi qu'elle devienne votre femme, mais j'ai bien peur. N'aie crainte, je ne veux pas d'elle. Que mon père disait pas ce qu'il veut, votre fille, je ne l'épouserai pas. Et si je l'épouse contraint et forcé, elle s'en repentira. Ça, c'est trop fort. Bah, s'il en est ainsi, je ne lui donnerai certainement pas. Et en quoi consiste cette différence? Moi, je sers forcée par la malchance. Par ailleurs, je suis une personne du monde. Oh, et moi, que croyez-vous que je suis? Ma mère portait une andrienne. Madame ma mère, elle, portait le manteau. Nous faisons partie des citoyens originaires de Venise. Nous possédions des champs et des maisons. Nous les a pris. Mais si je trouvais le moyen de faire un procès, je pourrais rouler en carrosse. Hi-ha, hi-ha, hi-ha. J'ai 4 cousines qui ont des titres de noblesse. Mais elles ne me connaissent plus puisque je me suis passée comme domestique. Qui l'eût cru? Bon, une maison comme la mienne. Oh, chez nous, toujours table ouverte, de l'or et de l'argent dans... Oh non, on pour les quoi? Que de richesse! Suffit! Maintenant, servez! Dans cette maison, vous êtes la sous-femme de chambre! Femme de chambre, oui! Mais sous-femme de chambre, non! Ainsi! Sous-femme de chambre, sous-femme de chambre! Oh! Sous-femme de chambre, jamais d'avis! Oh. Et si vous n'êtes pas raisonnable, je vous ferai renvoyer! Ça m'est égal. Je vais bientôt me marier. Vous? Vous avez trouvé un mari? Je m'en réjouis. Bah, oui, madame, je l'ai retrouvé. Bravo! Et qui est-ce, son indiscrétion? Je vais lui dire pour la faire enrager. Vous voulez le savoir? C'est Brighella. Ah! Brighella! Brighella n'est pas un morceau à vous mettre sous la dent. Ce n'est pas un mari pour une sous-femme de chambre. Oui, enfin, s'il ne l'est pas pour celle qui est en dessous, il le sera pour celle qui est au-dessus. Oh, Brighella! Ben oui, pour moi. Et pour vous? Elle me donne la colique. Pauvre petite ingénue. N'avez-vous pas entendu qu'elle a vendu son cœur à celle qui lui a donné le sequin? Mais c'est justement pour cela que le sequin, c'est moi qui l'avais donné. Vous? Vous lui avez donné un sequin? Oui, madame. Pauvre petite folle. Le sequin, c'est moi qui le lui ai donné. Vous êtes une menteuse. Comme
diable vous emmène si ce n'est pas moi qui lui ai donné? Que le diable vous emporte si ce n'est pas moi qui lui ai donné. Ce serait du beau qu'il nous les soutirait à toutes les deux. Je ne peux pas croire que Brigella m'a bernée. Nous allons voir ça tout de suite. Hé là, Brigella! Oui, faisons-le venir. Hé là, Brigella! Qui est ma belle? Ne vous ai-je pas donné un sequin, hein? Oui, madame. Et moi, ne vous ai-je pas donné? Oui, madame. Mais n'avez-vous pas dit que vous avez vendu votre cœur à celle qui vous a donné le sequin? Oui, madame. Mais le sequin, c'est moi qui vous l'ai donné. Non, c'est moi qui vous l'ai donné. Oui, madame. Donc votre cœur est à moi. Et toi, moi? Oui, madame. Ah! Mais expliquez-vous, il est à moi ou à Coralina? Oui, dites, il est à moi ou à Colombina? Eh bien, il est à toutes les deux. Comment? Je le veux tout entier. Pareil, il est tout entier à moi. Allons, calmez-vous. J'ai le cœur si grand et si gros qu'il y en a pour vous. Qu'il y en a pour vous. Qu'il y en a pour quatre autres encore, s'il le faut. Non, 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 il n'en est pas question. Ou tout entier, ou pas du tout. J'en dis autant, ou il est tout entier à moi, ou gardez la part que vous voulez me donner. Allons, je ne sais que dire. Eh bien, si vous ne vous contentez pas de la moitié, je le reprendrai. Donnez-moi mon sequin. Je m'en suis servi. Rendez-moi le mien. Je l'ai dépensé. Alors, qu'allons-nous faire? Quelle solution proposez-vous? Eh bien... Donnez-moi un peu de temps et j'en trouverai une. Combien de temps vous faut-il? Donnez-moi 3 ou 4 jours. Allons donc. Non, monsieur, non. Monsieur, je vous donne jusqu'à demain. Et moi, jusqu'à ce soir. Oh, quel plaisir. Oh, la belle affaire. Oh, quel amusement! Si je réussis, je vais dévorer le peu qu'elles ont, m'amuser et prendre du bon temps. Êtes-vous de la maison? Oui, monsieur, de la maison, oui. Oui, monsieur Pantalon, il est là? Non, il n'est pas là, non. Peut-on saluer une de ses filles? Laquelle de ses filles? Pas celle avec le gros chaudron. Oh! 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 Mais c'est plutôt l'autre l'aînée qui devrait paraître plus féminine! Oh, l'autre, elle a plutôt l'air d'une machine à faire tirer les feux d'artifice! Non! Bon, j'ai compris! Vous voulez la cadette? Oui, oui, oui! Si vous voulez me faire ce plaisir, oula! Mais je ne sais pas si monsieur Pantalon sera d'accord! Oh, hey, j'ai vu avec lui, il est tout à fait d'accord! Nous verrons. Je vais d'abord le dire à madame Rosaura. On verra ce qu'elle dira. Mais il est fou, lui aussi. Madame Rosaura n'est pas faite pour moi. Elle a trop de diablerie autour d'elle. Je préfère madame Diana. Elle s'habille de façon simple, modeste, mais agréable. Votre servante, c'est vous qui m'appelez? Madame, est-ce vous? Je ne vous reconnais pas. Vous avez parlé avec moi et vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes la fille de monsieur Pantalon? Oui, monsieur. Vous êtes l'aînée ou la plus jeune? Je suis l'aînée, pour vous servir. Ah, désolé, je ne vous reconnaissais pas. Qu'avez-vous fait de votre tonneau? Je l'ai ôté parce qu'il ne vous plaisait pas. Et les vilaines pierres que vous avez autour du cou? Je les ai jetées car vous ne les appréciez guère. Pourquoi vous êtes-vous séparée de votre robe de cérémonie? J'ai mis celle-ci pour vous plaire. Ah, pour me plaire?
Que vous importe de me plaire ou de me déplaire, j'ai promis à Monsieur Pantalon, votre père, que j'allais épouser votre sœur. J'espère que vous ne me causerez pas ce tort. Si vous vouliez que je vous prenne comme épouse, il fallait venir habillée de la sorte et non pas en Lucrèce roumaine. Mais je fais tout ce qu'on veut. J'avais mis ces vêtements pour suivre les avis des femmes de chambre. Je suis habillée maintenant selon mon goût. Je m'habille presque toujours comme ça. Mais c'est beau que les sept poudres. Je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Demain, vous me verrez simplement peignée, comme d'habitude. En tout cas, d'après ce que j'ai compris l'autre jour, vous aimez recevoir. Oh, Dieu m'en préserve. Je suis au contraire d'un tempérament solitaire. J'aime à rester dans ma chambre. Pourtant, quand j'ai essayé de vous empêcher de recevoir, vous m'avez dit « c'en est trop » et vous m'avez planté là. Je voulais dire que j'ai une mémoire défaillante. Que si vous me dites trop de choses à la fois, je ne les retiendrai pas. Je suis allée aussitôt me déshabiller et me voilà telle que vous avez envie de me voir. Madame, je regrette le malentendu qui s'est produit. Mais je suis un honnête homme. J'ai donné ma parole envers votre sœur et je dois tenir ma promesse. Je suis l'aînée et c'est moi qui dois me marier la première. À vrai dire, maintenant que je la vois repentie à vivre à ma guise, moi, je me repens presque de l'avoir laissée. Hein. Monsieur, je serai obéissante. Je vivrai comme il vous plaira. Comment voulez-vous que je manque à ma parole envers votre sœur? Oh, voici ma sœur. Ah, ça tombe bien, je vais dire... Qui êtes-vous, madame? Bah, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la jeune fille à qui vous avez donné la bague. Oh, diable, madame Diana! Oh, oui, monsieur! Et que vois-je? Et pourquoi vous êtes-vous fourrée dans cette espèce de labyrinthe? Bah, ce sont les femmes de chambre qui m'ont habillée comme ça parce que je vais me marier! Avec qui? Bah, avec vous. Avec moi? Avec moi? Hé, hey, pour qui me prenez-vous? Suis-je une petite caille que vous avez mis autour de vous cette cage pour m'attraper? Je ne comprends pas. Moi, je vous comprends très bien. Maudite soit cette énorme cloche, je peux plus la voir. Inspiration, inspiration, ça m'est venu d'un coup, là. Alors, vous avez entendu? Quoi donc? Monsieur Anselmo ne veut plus de vous. Je m'en fiche. C'est moi qui serai sa femme. Grand bien vous fasse. Oh, c'est moi qui dois me marier avant vous. Mais je m'en fiche, moi, de me marier, pourvu que je trouve quelqu'un qui me tienne compagnie. Qui vous tienne compagnie? Comment ça? Oh, qu'est-ce que j'en sais, moi? Monsieur, mon père dit que lorsqu'un homme tient compagnie à une femme, on l'appelle un mari. Comme ça, vous voudriez vous aussi un mari? J'ai peur de dormir seule. Mais vous ne dormez donc pas avec Coralina? Elle fait des rêves la nuit, elle me donne des coups de poing. Oh, si Coralina vous donne des coups de poing en dormant, un mari vous en donnera en étant éveillé. Les maris donnent des coups de poing? Bien sûr que oui! Et des coups de bâton! Ils maltraitent et brutalisent leurs pauvres femmes. Oh, monsieur, mon père voulait me rendre un drôle de service? Me faire brutaliser par un mari? Oh, mais non, je n'en veux pas! Oh, si seulement Coralina n'avait pas la sale habitude de me donner des coups en dormant, je me marierai volontiers avec elle. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi t'es-tu changé? Es-tu malade? Vas-tu te coucher? Monsieur mon père, je voudrais vous dire quelque chose, mais surtout ne vous mettez pas en colère. Allons bon, y a-t-il du nouveau? Je vous ai dit que je ne voulais plus de Monsieur Florindo. Et en cela, je suis tout à fait constante. Hein. Je ne change pas d'avis. Ah. Ensuite, je vous ai prié de me donner Monsieur Lélio. Et vous, avec bonté, après quelques hésitations, vous m'avez dit oui. Et à cause de Monsieur Lélio, j'ai congédié Monsieur Florindo. Et alors? Eh bien maintenant, il faudra aussi congédier Monsieur Lélio. Bon, et pourquoi? Parce qu'il vaudra mieux que je prenne... Monsieur Anselmo! Tu es folle! Il veut ta sœur, lui! Oh, Monsieur Anselmo est un homme fantasque! Il a changé d'avis et c'est moi qu'il veut! Alors que tu as promis d'épouser Monsieur Lélio! Et si un homme change d'avis, je peux changer aussi! Si Monsieur Anselmo ne tient pas sa parole envers ma sœur, je peux en faire de même vis-à-vis de Lélio!
manquer à ta promesse vis-à-vis de lui, après ce que tu viens dire en ma présence, après que moi, je lui ai donné ma parole pour la deuxième fois, après que j'ai congédié le docteur à cause de l'hélio, mais Rosaura, est-ce que tu deviens folle? Fais-tu qu'on te montre du doigt? Veux-tu que ton père devienne la risée de toute la ville? Allons. Ça m'étonne. Tu dois être la femme de l'hélio. Monsieur mon père, je ferai ce que vous voudrez. Ah, te voilà gentille. Que Dieu te bénisse. Je vois maintenant que tu m'aimes. Tu vas donc épouser monsieur l'hélio. Oui, je l'épouserai. Allez, va t'habiller avec un peu de soin. On va un peu fêter ça. Ce seront... les fiançailles. Ne te fais pas voir en négligé. Oui, je vais m'habiller avec un peu d'élégance. Hélas, cette robe me rend mélancolique. Monsieur mon père, je vous fais ma révérence. Ouais. Oh, si j'arrive à la voir mariée, je n'en croirai pas mes yeux. Mais d'ici à ce soir, je m'attends à quelque autre nouveauté. Je suppose que ce sera de la part de monsieur Anselmo. Il donne sa parole à Diana et ensuite voudrait l'autre. Lui ou vous? Il ferait bien la paire. Il s'appelle Anselmo. Ah, pensez-vous? Pas du tout. Demandez-le à mon valet, n'est-ce pas? Oui, madame, je le sais de source sûre. Oui, c'est vrai. Rosaura a décidé d'aller pousser, mais ensuite, elle a changé d'avis. Comme d'habitude. Et maintenant, elle veut épouser. Hein? Monsieur l'hélio! Oh, il n'est pas possible qu'elle ait changé d'avis de but en blanc. Demandez-le à mon valet. Dis un peu ce qu'il en est. Jumanji. Je suis allé waka waka Kirikou Colombine à Kirikou qui est ma parente et elle believe I can fly. Elle m'a dit que Rosaura s'est laissé convoquer par Paris Hilton. Par son père. D'épouser. Monsieur l'hélio! Oh, quelle femme légère! Oh, quel esprit inconstant! Oh, ma chère Eleonora! Oh, je suis navrée pour vous. Faisons une chose. Retournons la voir et nous jouirons d'un joli spectacle. Ah, je ne mettrai pas les pieds chez elle! Pourquoi? Je me souviens très bien de l'affront qu'elle m'a fait. Oh, vous vous en souvenez, elle ne s'en souviendra pas. Allons-y et je vous certifie que si elle est de bonne humeur, elle vous accueillera à bras ouverts. J'ai l'impression que vous voulez me mettre dans quelques difficultés. Quoi? Vous avez peur d'elle? Allons-y donc! Et toi? Rappelle-toi d'être Floridor et dis-lui de venir chez moi le plus vite possible. Et toi? Toi! Essaye de trouver monsieur l'hélio et dis-lui que je le félicite. Allons rire un peu. Ah, moi je ne sais pas dissimuler, hein, je ne pourrais pas rire. Eh! C'est qu'il faut savoir faire semblant. Ah, quand on veut s'amuser. Ah, mais vous avez bien de la chance de savoir le faire! Yeah.
chercher une autre. Laquelle voulez-vous que je prenne? La robe à fleurs, elle ira mieux pour mes fiançailles. Très bien, je vais la chercher. Madame, les manchettes? Je ne veux pas de ces manchettes, va me chercher les autres. Quelles autres? Les manchettes en tulle. Très bien, je vais les chercher. Vous voici avec le chocolat. Je n'en veux pas, je veux du thé. Ne m'avez-vous pas commandé un chocolat? Je n'en veux pas, je veux du thé. Oh, très bien, ne vous mettez pas en colère, je vais aller vous chercher du thé. Voici la robe à fleurs. Tu crois qu'elle m'ira bien? Elle ira très bien. Elle a un air vieillot. Vous la connaissez bien, vous l'avez portée tant de fois. Mettons-la donc. Voici le thé. Très bien. Le voulez-vous? Attends. Madame, il y a de la visite. Qui est-ce? Madame, il refroidit. Attends. C'est madame Béatrice et madame Éléonora. Oui, oui, cela me fait plaisir. Je vais leur annoncer que je suis fiancée. Mais vite, ôtez cette robe et mettez l'autre. Non, non, c'est trop long. Il vaut mieux que je garde celle-ci. Allons, dépêchons-nous. Mais je te répète que je n'en veux pas. C'est bon. Pardon. Patience. Madame, il refroidit. Brigella, va dire à ces dames d'entrer. Préparez les chaises. Et le thé? Je ne veux rien. Oh, diable, les fous! Oh, si j'avais deux têtes, elle m'en ferait perdre une. Veuillez m'excuser, j'étais en train de m'habiller. Avec nous, vous n'avez pas à vous gêner. Madame, je vous fais ma révérence. Votre servante, ma chère Béatrice. Excusez-moi si je vous dérange. Oh, vous me faites le plus grand plaisir du monde. Aujourd'hui, il est bien luné. Avez-vous appris que je suis fiancée? Oui, nous l'avons appris. Ah, je m'en réjouis d'avance. Votre fiancé n'est-il pas monsieur Lélio? Oui, c'est monsieur Lélio. Ah, comme je m'en réjouis. Bonne femme. Allô, madame Ozawa. J'espère qu'à l'avenir, nous resterons toujours amis et que vous ne me regarderez plus de travers. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez que je vous ai toujours aimée et que je vous aimerai toujours. Vous serez toujours ma chère amie. Vous ne pouvez pas nier avoir éprouvé un petit peu de jalousie à M. Florindo. Ah, mais maintenant que vous allez épouser Monsieur Lélio, que vous avez tout le mal du monde de Florindo, vous ne pensez certainement plus à lui. Oh, moi, je n'y pense pas. Ah, si j'avais quelques penchants pour lui, je ne vous contrarierais pas. Vous avez quelques penchants pour lui? Je ne sais rien de bien certain pour le moment. Je disais juste que si, par hasard, je me liais d'amitié avec lui, ça ne me ferait pas perdre la vôtre. Oui, oui, je sais que vous êtes une fausse amie. Une fausse amie, pourquoi donc? C'est à cause de vous que Florindo s'est brouillé avec moi. À cause de moi? Non, parlons plus. Ah, mais disparaît donc. Ma chère Béatrice. Madame Rosa aura fait tout. Il ne faut pas dissimuler. Elle sait que vous aimez Florindo et qu'il est amoureux de vous. Mais comme elle va épouser Monsieur Lélio, elle voulait votre Florindo et vous serez de mes amis. Je ne serai jamais l'amie de quelqu'un qui me trahit. Je n'ai pas renoncé à mes prétentions sur Florindo. Et je n'ai pas encore épousé Lélio. Où êtes-vous? Je ris comme une folle. C'est vous qui avez attisé le feu. Oh, je le fais pour me divertir. Mon ami, excusez-moi, mais vous parlez trop. Et vous vous êtes futé, mais pas autant qu'il le faudrait. Allons-nous-en. Nous avons fait une belle visite. Oh, que va-t-il se passer? Venant d'une femme fantasme, je ne sais pas ce qui peut arriver. Rosaura est fantasque. Éléonora est bavarde. Oh, quant à moi, je les laisserai dire. Je les laisserai à leur déballage. Et j'épouserai, en dépit de tous, Florindo. Oh, quand j'ai nommé quelque chose en tête, je le veux. Le monde est écroulé. Madame, il y a ici le docteur Balanzoni qui aimerait vous saluer. Cet homme est le père de Florindo. Il arrive peut-être à propos. Désirez-vous qu'il s'en aille ou qu'il entre? Dis-lui qu'il fasse comme il veut. Très bien. Non, attends! Il ne m'est pas permis à moi de parler au père de mon amoureux en de telles circonstances. Je le fais entrer? Je voudrais bien, mais je ne voudrais pas. On peut entrer. Allons, courage, que voulez-vous que je lui dise? Dis-lui. Je sais pas. Entrez, faites comme chez vous. Comme ça, c'est moi qui tranche. Mais qui t'a dit?
savez pas donner des ordres, allez la prendre! Madame Rosaiora, pardonnez mon audace! Oh, bonjour, monsieur le docteur! Je vous en prie, asseyez-vous! Puisque monsieur votre père n'est pas là, je prendrai la liberté de parler avec vous. Faites! En quoi puis-je vous être utile? Me permettez-vous de parler en toute liberté? Bien sûr! Parlez sans la moindre gêne! Monsieur Pantalone m'a fait comprendre qu'il serait heureux que le mariage entre vous et mon fils Florindo ait lieu! Je savais bien que j'allais rougir! Pourquoi vous couvrez-vous les yeux? Pardon! J'avais envie d'éternuer, mais je n'ai pas pu! Ainsi, comme je vous le disais, dès que j'ai compris votre inclination, j'en ai aussitôt parlé avec Monsieur Pantalone et lui ai demandé la main de sa fille, Madame Rosaiora. Avec bonté, il a dit oui et nous avons conclu le mariage. Mais après, Monsieur Pantalone vient me trouver et me dit que sa fille, Madame Rosaiora, a changé d'avis, qu'elle ne veut plus prendre mon fils Florindo pour époux. Je ne peux pas croire que Madame Rosaiora manque à ce point de jugement, qu'elle change d'avis d'un moment à l'autre et expose ainsi son père. C'est pas toi. Je suis venu pour entendre la vérité de votre propre bouche. Oh, sûr et certain qu'une jeune fille sage et honnête doit savoir où est son devoir. Il ne fera pas un affront à un honnête homme après l'avoir poussé et la demandé en mariage. Allons, il faut du courage. Monsieur le docteur, veuillez excuser mon père de vous avoir fait croire que je ne voulais pas tenir la promesse que j'ai faite à monsieur Florindo. Il y a eu un malentendu à cause d'un étranger très riche avec lequel on croyait que je devais me marier. Je l'ai cédé à ma sœur pour tenir ma promesse à l'égard de Florindo et je ne prendrai personne d'autre que lui comme époux. Bravo! Hourra! Aussi bien que je peux dire franchement à mon fils qu'il peut être sûr que vous serez sa femme. Oui, dites-le lui franchement. Préparez-le à devenir mon époux. J'ai peur que lui ne veuille plus de moi. Oh, quant à cela, je n'ai pas d'inquiétude, hein, car mon fils doit faire ce que je veux. Ah, en attendant, je vous salue bien. Rien de meilleur que cela ne pouvait m'arriver. En allant dans le sens du docteur, j'ai agi dans mon intérêt. Parfois, je suis une bonne diplomate. Où donc, monsieur Anselmo? Je retourne dans mon pays. J'en suis vite. Et si je ne vous avais pas fait appeler avec insistance, vous ne seriez même pas venu me voir. Que voulez-vous de moi, monsieur Pantalon? Tout juste vous dire qu'ayant appris que vous vouliez prendre pour femme ma fille Diana à la place de Rosaiora, je suis prête à vous la donner et à vous faire plaisir. Monsieur, avec votre permission, je ne veux ni l'une ni l'autre. Et pourquoi? Parce que toutes deux, avec leurs énormes cerceaux, tantôt s'élargissent, tantôt sur Itrécès. Cher monsieur Anselmo, vous me connaissez, je suis un homme d'honneur et je vous parlerai franchement de tout mon cœur. Ma fille Rosaiora, je suis d'accord avec vous, est un peu folle. Elle n'aurait pas sa place chez vous et elle vous ferait enrager. Oh mais Diana! Et je vous le certifie en homme d'honneur et en négociant honorable. C'est une petite colombe innocente, une jeune fille simple, sage et modeste, dont on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de danger qu'elle ait des prétentions, tout la satisfait. C'est pourquoi, si vous la prenez, vous pourrez vous estimer heureux et content. Bon allez, monsieur Pantalon, vous me dites tant de choses sur votre fille que pour un peu vous me persuaderiez. Mais pourquoi s'est-elle mis elle aussi autour d'elle, ce chariot qui sert à apprendre à marcher aux enfants? Ce sont les femmes de chambre, elles n'en portent jamais. Les femmes de chambre, ayant appris qu'elle allait se fiancer, lui ont mis ce cerceau. Bon, une fiancée qui n'est pas encore mariée ne doit pas avoir besoin qu'on lui élargisse ses robes avant le moment venu. Dites-moi, cher monsieur, qu'est-ce que tout cela? Oui, un Lussac. Oui, c'est des petites choses que j'ai achetées pour Madame Rosaiora. Mais elle les a vues, elle les a méprisées, en les qualifiant de grossières et de insignifiants. C'est bien vrai! Elle n'a rien fait d'autre que de les mépriser. JB, ça fait plus partie de la scène, ça. On l'a enlevé, ça, JB, putain. Je suis désolé. Présentation, toujours la même chose. Voyez-vous,
Diana n'aurait pas méprisé tout cela si Diana ne les méprise pas. Foi dans les temples, je le lui donne. Attendez, nous allons essayer. Diana! Monsieur! Viens ici, ma fille. Je viens tout de suite, monsieur mon père. Me voici. Oui. Regarde un peu toutes ces belles choses que veut te donner monsieur Anselmo. Elles te plaisent? Oh, comme elles sont jolies! Oh, comme elles sont belles! Oh, elle me plaît avec cette petite bouche. Nos montagnards auraient dit, oh, qu'elles sont belles en ouvrant la grande bouche. Oh, regarde un peu ce beau tissu. Oh, il est un peu épais, mais de bonne qualité, hein? Oh, oui, ça me tiendra chaud. Elle semble très belle. Oh, que dis-tu de cette étoffe d'écarlate? Oh, quelle belle! Oh, on descend de prête, oh, qu'elle est belle! Que Dieu te bénisse. Te plaît-il? Oh, oh, s'il pouvait tout se faire! Tout lui plaît! Oh, regarde un peu ce beau bijou! Oh, ce bijou! Oh, il est un peu ancien, mais de bonne qualité! Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau! Il est à moi! Il est à moi! Celui-ci, ce bijou de roi. Allez, vous vous moquez de moi. Allons, n'as-tu pas dit que te prendrais comme époux? Oui, je l'ai dit. Eh bien, si tu veux, il est à toi. Et si vous voulez, je suis à vous. Et le bijou? Eh bien, le bijou, c'est lui. C'est lui, c'est moi. C'est moi. C'est moi? Non, c'est lui? Non, c'est moi! C'est lui! Oh, le bijou, c'est lui! Ça y est, maintenant j'ai compris! C'est un bijou si grand qu'il me fait peur! Alors, elle vous plaît, cet enfant, monsieur Anselmo? Je suis très amoureux. Ah bah si vous voulez, elle est à vous. Mais comment à lui? Moi je suis à vous. Vous m'avez peut-être vendu? Oui, je t'ai vendu à monsieur Anselmo. Oh, et combien vous a-t-il donné? C'est un chef d'œuvre. Allons rédiger quelques lignes du contrat. Je suis à vous. Diana, tout cela est à toi. Tout cela est à toi. Et ce bijou aussi. Ah oh, oui. Mais ça, c'est pas un bijou à mettre autour du cou. Arrêtez-vous! Rendez-moi mon sequin! Donnez-moi mon argent! C'est ainsi que vous vous moquez de pauvres femmes? C'est ainsi que vous les assassinez? Allons, je m'étonne de vos réactions! Je suis un honnête homme et je n'ai pas besoin de votre argent! Je l'ai fait pour tenter une expérience, pour voir si l'une de vous de même espèce de bavarde! Moi, je ne veux plus servir. Je veux me marier. Mais je veux choisir une femme qui m'aime! Je vous ai mise à l'épreuve toutes les deux. J'ai bien compris qui vous êtes. Vous êtes de belles mendigottes. Vous me rabrouez, vous me maltraitez. Pour un sequin, vous voulez me faire perdre ma réputation. Il n'en faut pas plus. Allez au diable toutes les deux. Vous perdrez cette chance. Vous perdrez un homme de ma sorte. Et vous pleurerez votre maudite avarice. Et moi, je rirai aux côtés d'une épouse qui vous fera mourir d'envie. Mais moi, j'ai dit ça comme ça, pour plaisanter. D'ailleurs, le sequin, je vous l'ai donné. Et si vous en voulez d'autres, libre à vous. Mais tenez donc votre sequin. Mais non, gardez-le. Je n'en veux pas, je ne veux pas. Vous n'en voulez pas? Moi, je vous l'ai donné. Et moi, je vous le donne. Bon. Très bien. Alors, pour vous faire plaisir,
Je vais le garder. Mais... dites... qui sera votre femme? Celle qui m'aimera le plus. Mais... moi, je vous aime de tout mon cœur. Et moi, je brûle d'amour pour vous. Les fiançailles de notre jeune maîtresse. Et peut-être même de l'aînée si elle réussit à rester du même avis jusqu'à ce soir. Notre maître organisera une petite fête, une petite réception et qui sait, peut-être que moi aussi je ferai mon choix. Alors, qui sera l'heureuse élue? J'ai décidé, mais je ne peux pas le dire. Oh, allez, dites-le! Une de vous deux, mais je ne peux pas dire laquelle. Allez, chère Brighella, ôtez-moi ce poids! Bon. Je vais le dire, et je ne vais pas le dire. La plus belle! Ah, cette chance devrait tomber sur moi! Vraiment, sans aucun doute. Quelle tête de jolie, celle-là! Rien! S'il disait que Colombina était la plus belle, je dirais qu'il est aveugle. Ah, ce sera moi, sans aucun doute! Brighella, je suis très contente. Oh, à présent, je vois bien que vous m'aimez. Oh. Allez, vous êtes bien faites pour vous entendre, toutes les deux. Choisir Florindo plutôt que l'Hélio. Hein. Mais les femmes ne veulent en faire qu'à leur tête. Et moi, pour m'en débarrasser, je tâche de la satisfaire. Eh bien, monsieur mon père! Avez-vous parlé avec monsieur Florindo? Oui, en deux mots, on s'est tiré d'affaire. Est-il content? Très content. Quand aura lieu le mariage? Et quel mariage? Mon mariage! Oh, même ce soir, si vous voulez. Moi, je suis contente. Faites venir Florindo et dépêchons-nous. Mais que vient faire monsieur Florindo? Ne doit-il pas être mon mari? Comment? Florindo! Est-ce que tu n'as pas dit que tu veux... l'Hélio? Mais... monsieur mon père, monsieur Florindo n'est-il pas venu à l'instant pour moi? Et alors? Bah, j'avais réfléchi! Oh, allez, espèce de folle! Allez, esservelez! L'Hélio, ou sinon je t'enfermerai entre quatre murs! Espèce de folle, fichue girouette, imprudente vendance comme le vent! Tu peux toujours parler! Je veux en faire à ma guise! J'ai décidé de choisir Florindo et je ne prendrai personne d'autre que lui comme époux! Mon père me dit fantasque et je suis devenue la femme la plus constante de ce monde! Madame! Oh! 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 Eh, c'est parce que monsieur Pantalon m'a représenté que vous avez des bontés pour moi que je viens vous assurer que j'ai de l'estime pour vous! Mais je ne me soucie pas de votre estime! Et pourquoi me répondez-vous de cette manière? Parce que je suis une femme constante. Belle constance en vérité, hein. Et constante dans la folie, oui! Pff.
Constante, pourrait-on dire dans l'inconstance. Allons, c'est terminé. Avec elle, je ne veux plus jamais avoir d'histoire. Pendant longtemps, j'ai hésité. Dorénavant, je me décide pour Madame Eleonora. Et je vais à l'instant régler cette affaire. Si elle ne me repousse pas, hein. Non. Non, non. Oh, shit. Shit. Oh, 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 diablesse! Madame Diana est-elle à distiller que vous voulez la mettre dans cet alambic? Mais faut-il qu'elle se marie comme une domestique? Ça, c'est à moi de le décider et non pas à vous. Quel petit mari charmant. Bon, allez, emportez-moi ce fatras. Les pieds de Diana n'ont pas besoin d'une ombrelle pour se protéger du soleil. Oh! Oh! Oh, les jeunes fiancées! Comme j'aime à vous voir ainsi! Ça suffit là. Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas ces dames qu'elles ont pas. Monsieur Patras là. Allons. Emportez cette cabine de gondole. Dites-moi, pourquoi avez-vous allumé tant de chandelles? Vous avez peur que je ne vois pas assez pour épouser votre fille? Bah, on va faire un peu de conversation. Pour ma part, la conversation entre elle et moi me suffit. Mais viendra du monde. Du monde? Et pourquoi faire? Pour un mariage, il suffit de deux personnes. Cher monsieur Anselmo, excusez-moi, mais en cela, je me suis conformé aux usages de mon pays. Quand on se marie, on invite sa famille, ses amis... Non. Bon, moi je suis loin de mon pays, c'est pourquoi j'ai invité quelques dames et amis de mes filles. Oui, mais avec les dames, il y a toujours les messieurs. Peut-être bien, mais il n'y a pas de mal à ça. Ouais, ça suffit, nous irons à la montagne. Hein. Ah, voici la Béatrice. Il y a aussi Madame Eleonora. Elle vient pour vous féliciter, la nouvelle fiancée. Oh, mais moi j'ai honte. Vous voyez, voilà les dames. Mais je m'as dit, avec les dames, il y a les messieurs. Messieurs, dames, je vous salue. Je vous fais ma révérence. Oh, jeune promis, je vous félicite. Ah, je me réjouis de votre bonheur. Allons, ne vous cachez pas. N'ayez pas honte. Oh, quelle adorable simplicité. Qu'est-ce que je vous disais? Elle est naïve, hein, mais hop, à la montagne. Mesdames et messieurs, je vous salue tous. Salut. Que signifie, monsieur mon père, cette belle réunion? Vous êtes peut-être venu pour me faire plaisir. Merci. Je suis heureuse que tant de gens soient réunis aujourd'hui pour faire savoir à tous que, si dans le passé j'ai été sujette à quelques changements, j'ai modifié à présent ma conduite et me flatte de ma constance. C'est pourquoi, comme mon premier engagement a été pris avec monsieur Florindo, j'entends le tenir et je suis prête à lui donner ma main et à l'épouser. Madame, je vous remercie infiniment de votre aimable bonté. Je vous félicite d'avoir décidé d'être constante. Cela ajoutera du mérite et du prestige à votre beauté. Vous m'honorez en m'offrant votre main. Et moi, je vous dis que ma fiancée est Madame Béatrice. Ouais. Tiens, c'est bien fait. Comment, espèce de fausse amie? C'est comme cela que vous me trahissez? C'est votre inconstance qui vous a trahi. Bim! Mais je vois parfaitement la sottise que je commettais en épousant quelqu'un qui ne me mérite pas. Si monsieur Florindo me rend ma liberté, je vais pouvoir satisfaire mon penchant et épouser mon cher monsieur Lelio. Oh, wow, wow! Non, vraiment, j'avoue ne pas mériter vos faveurs et votre soudaine préférence me surprend. Hein. En me disant, cher Elio, vous avouez que vous m'aimez. Hein, et moi, je suis forcé de vous avouer que ma fiancée est Madame Elena Honora. Tiens, c'est bien fait. Comment, vous aussi, vous m'avez trahi? Moi, vous trahir? Accusez plutôt votre inconstance. Remis. Vous croyez m'avoir fait une injure, et pourtant vous m'avez fait le plus grand plaisir du monde. À cause de vous, je ne pouvais pas accepter une grande chance, craignant qu'on me reproche de ne pas tenir la parole que je vous avais donnée. Voici monsieur Anselmo. Non, 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 non.
Il m'a proposé plusieurs fois de l'épouser. J'ai refusé à cause de vous. À présent, j'accepte et je vais à l'instant retirer mon cerceau. Bon, halte là! Pour éviter que nous perdions encore du temps, voici qu'en présence de toute cette assemblée, je donne ma main de nippo à madame Diana! Tiens, c'est bien fait! Comment donc à ma jeune sœur? Et elle paraît plus jeune que vous parce qu'elle n'est pas empaquetée comme vous l'êtes. Oh! Et là, je vois trois fiancés et moi, je reste sans fiancé. Oh, c'est un faux temps! Et même, vous en verrez quatre. Brigella doit m'épouser? Non, c'est moi que Brigella épousera. Ah! Voici, tu m'appelles? Non, je ne sais pas que c'est moi que vous devez épouser. Non, c'est moi que vous devez épouser. Oh, je vais vous dire, j'ai dit que j'épouserais la plus belle. Mais je m'aperçois que vous êtes toutes les deux belles de la même manière. Si bien que pour ne faire de tort à aucune des deux, je n'épouserai ni l'une ni l'autre. Rendez-moi mon sequin! Voyez là, donnez-moi mon argent. Monsieur, désirez-vous que j'apporte un café? Moi, pour ma part, je ne veux pas de café. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne nuit. Je m'en vais avec ma femme. Et moi aussi. Je vais partir avec madame Béatrice. Puisque mon père m'a donné l'autorisation de l'épouser en se rendant compte du caractère de madame Rosao. Moi également, je m'en vais conclure mon mariage avec madame Eleonora. Et moi? Vais-je rester ici? Rouge de honte d'avoir été humiliée et ridiculisée? Oh oui, je le mérite bien. Telle est la punition de la femme fantasque. Tout désirer et ne rien avoir. Changer à tout moment sans jamais prendre une décision. Et finalement vouloir être constante quand il est trop tard.